Bah ça me paraît greedy quand même de garder les deux. Après tu me dirais ma pièce silence parce qu'il sait ce que je joue Randagonie. Il sait que je joue Randagonie 100%. Non, c'est greedy mais je le garde. En fait s'il silence le premier j'arriverai pas à lui mettre de pression. Et c'est chiant et il le sait pertinemment. Donc son silence il va le garder en main de départ contre moi. Il sait pertinemment qu'il a besoin de silence. Il lit mon couteau en plus. Ok, peut-être qu'il va pièce silence. Si il pièce silence, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas grave, on fera juste ça et ça. Au lieu de faire ça et ça. Ok? C'est pas grave, c'est pas grave. Au lieu de faire. Il a pas de silence. Celle-là, c'est la bonne. Celle-là, c'est la bonne. Je vous jure, celle-là, c'est la bonne. 100% celle-là, c'est la bonne. Pièce. Crâne de Malari. Crâne de Malari, on l'envoie sur Pluton. Crâne de Malari. Yes! Yes! Sur Pluton! Sur Pluton! Il récapitule. Eh oui! L'huile et l'eau. On retient l'huile et l'eau. C'est vraiment... C'est exactement comme l'huile et l'eau. C'est vraiment tout au fond, tout au fond, tout au fond. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mélange du tout. Il n'y a pas de mélange du tout, les gars. L'huile et l'eau. L'huile et l'eau. L'huile et l'eau. Je sais pas ce qu'il a, mais on sait jamais. Tu penses qu'il a un silence, ça serait ouf. Oh, ok, ça va. Eh, j'ai pas ça, je pars, ouais. Wouh, yes. Ah. Ah oui, effectivement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, attendez. Attends, il y a ma maman qui m'appelle. Ouais, elle veut m'avorter, je crois. Attends, allô. Donc là, il y a combien de bombes dans le deck? Il en a 3 quand même, ça serait quand même vachement cool. C'est un démoniste, on rappelle qu'il pioche quand même pas mal. Là, il pourrait piocher toutes les bombes instantanément et perdre la partie. Hein. Ça, ça ferait plaisir pour le coup. Ça serait cool ça pour le coup. Ça serait cool là pour le coup là, les... piocher toutes les bombes. La bombe. Putain mais il pioche masse. Il pioche masse. Non pas frangé, pas frangé. Ok cool. Oh t'as... oh Aladdin. Il fait quoi déjà lui? A chaque fois que vous avez joué un serviteur incroyable, vous faites plus un attaque à ruée. LOL. LOL. On s'est cheaté. Oh non. Oh donne-moi baston. Oh sérieux. Ok, comment on fait? Je pense que c'est ça quoi qu'il arrive. Et genre il faut que ça tue lui. Tue lui. Ouh, ouh, paf, ouh, paf, ouh. Non, tu l'as laissé à un, t'es con. Oh non. Ok, faisons ça. Et tapons. Dans sa grosse tête et il tombe des clés. Il a 4 bombes, 4 bombes les gars. 4 bombes, eh, c'est notre seul espoir les gars. C'est notre seul espoir, les 4 bombes là. C'est notre seul espoir, allez. Oui, une et deux, une. La deuxième, la deuxième, la deuxième. Oh non putain Den. Oh, il faut pas qu'il me tue, il faut pas qu'il me tue. En vrai il manque masse. Et franchement il a que 3. Encore une seule, je dis plus rien, je demande plus rien, plus jamais de la vie. Oh, yes. Let's go les gars. Oui, top 30.
Ça passe top 30 ça. Ça passe top 30. Ça passe top 30 les gars. Ça passe top 30. Oui, top 26. Let's go. Oh. Il nous prépare encore un bruit. Néon distendu. Il est con, il aurait dû traîner là-dedans. Il a voulu montrer des dégâts. Et ça, il va le regretter parce que. On va pièce. Pas du tout. Tiens, c'est cadeau. C'est pour toi, je m'en dommage. C'est un cadeau pour toi, mon pote. C'est à quel point j'ai confiance en moi. Attends, si je la perds. Si je la perds, c'est trop large. Vous pouvez m'insulter tous les noms si je la perds. Je me suis endommagé moi-même parce que j'avais l'impression que c'était pas fair play, parce que je l'écrasais beaucoup trop. Ok, on fait ça, je crois que c'est la sa pute de mort là qui s'arrive. C'est chaud. Ok, cool. 5-5. Ça va, je suis à 46, je veux dire, j'ai quand même un peu le temps de voir les trucs venir. C'est juste dommage d'avoir toutes les cartes de la combo, mais je peux m'en sortir là. Il y a moyen que je m'en sorte, les gars. Bah, c'est un mec qui défausse quand même. Allez, défausse. Nice! Allez, encore. Oh, nice! Oh, nice! Il a capitulé en plus! Oh, trop bien! Nice! On a mieux joué. Oh. Ok, sinon on fait ça, et comme ça. Parce que lui, il a pas rué lui. C'est un mecha, mais vu que j'ai pas eu Dr. Boom, ça marche pas. Ça invoque deux copies d'un serviteur du deck. Ouais, mais du coup, c'est aléatoire. Donc là, dans mon deck, il me reste deux Grizzly. Il me reste Gros Mash et Ondasta. Alors, Ondasta, ça sert à rien. Gros Mash, ça sert à rien. Ah non, je peux pas tourbillonner. Il y a donc 50% de chance que ça soit bien et 50% de chance que ça soit nul. Alors que ça. Ça en ramène qu'un seul. Donc dans le meilleur des cas, ça reste quand même nul. Ok, donc c'est quand même ça, hein. C'est quand même ça, les gars. Allez, il faut que ça ramène deux grisés. Absolument deux grisés, les gars. Yes. Wow. Qu'est-ce qu'on joue bien. Wow. Let's go, les gars. C'est ça, hein. Il peut pas enlever le crit de guerre de Elisiana, en fait. Il est obligé d'avoir son crit de guerre. Donc du coup, il est obligé de mettre... Ah, il veut caler une deuxième baston. Ça, c'est la deuxième baston, ça. Ça pue. Oh non. Allez, un peu de réussite dans ce monde de brut. Allez, s'il te plaît. J'ai une manule. Oh. Oh. Hop, méga muscle. Hop. Et tu prends ton boom. Et ouais, mon pote. Et tu prends ton boom. Et oui. Et c'est le 12-1, mesdames et messieurs, let's go! Let's go! Oui! Yes! Ça va de la chatte. Le talent a parlé, dans Hearthstone, le meilleur joueur gagne toujours. C'est ce qu'il faut retenir. Oh, 2 points de dégâts dans ma tête. Waouh, ok, c'est agressif. D'avoir un Leroy qui traîne, mais... Ok, dans le cas où je fais ça, je gagne 6 et il me tape 2, donc je gagne 4, et là je gagne 2. S'il pioche, admettons feu de lame, il me tue pas. S'il pioche Leroy, feu de lame, moi je suis à 8, 9, 10. Ok, dans le cas où il pioche Leroy, et ensuite il le joue et il left tap et top deck feu de lame, il me tue. Alors je pense que sa version en vrai, il joue pas, mais on va juste quand même se donner un peu d'armure, juste au cas où, tu vois. Juste dans le cas où il top deckerait exactement Leroy et feu de lame. Et j'ai vraiment, dans le cas où... Dans cette game là complètement improbable, on a réussi à comeback. J'ai vraiment pas envie de perdre bêtement sur un Leroy feu de lame top decké en fin de game. Putain, les 3-8 m'ont fait gagner tellement de game là. C'est la game d'avant, m'ont fait gagner grâce. Bah, il me tue pas sur Leroy feu de lame, on a joué pile poil le tour de ce play là. Je veux dire, là, tu peux retourner le problème dans tous les sens, mon pote. Tu peux retourner le problème dans tous les sens. Hein. C'est quoi que t'as dans la main? Allez, dis-nous, montre-nous. Montre! Est-ce qu'on n'a pas été des purs génies, les gars? Les gars, dites la vérité. Non mais dites la vérité, les gars. Je veux pas vous voir crevard sur les GG. Ne soyez pas crevard sur les GG, les gars. Ça c'est la différence entre un joueur pro